La naissance du Harp Consort de Lowe's, c'est pas vraiment le nom de l'ensemble d'ailleurs. Nous, on est plutôt des musiciens de l'ensemble Pygmalion. On s'est rencontrés d'ailleurs, nous on s'est rencontrés en études, mais on a beaucoup joué ensemble chez Pygmalion. On est réunis surtout autour d'un répertoire qui était écrit pour ces instruments-là. Et étant donné qu'on se connaît, qu'on se côtoie, mais on se voit souvent de loin parce qu'on est en orchestre, du coup Sophie au violon, elle est au premier violon, et puis Josh se retrouve au milieu des viols, et nous, enfin, c'est une relation un peu plus large. Et là, on se réunit vraiment à quatre autour d'un répertoire qui, au 17e, a été écrit et destiné à ces quatre instruments ensemble. J'ai commencé par la guitare moderne et il se trouve qu'il y a il y a beaucoup de répertoires de luth de la famille, de tous les instruments de la famille de luth qui a été transcrite pour la guitare moderne et donc que les étudiants ou même les guitaristes accomplis peuvent aborder. Ils le font d'ailleurs très régulièrement. Et je me suis pris à ce jeu-là, j'ai découvert ce répertoire et j'ai commencé peu à peu à ne faire plus que ça à la fin. Et tout naturellement, au bout d'un moment, je me suis vraiment décidé à franchir le pas de me consacrer à ces instruments-là et à ce répertoire-là. Et bien pareil, moi j'ai commencé par la harpe qu'on appelle moderne, le système avec les pédales. Et puis j'ai découvert, quand j'étais à la Sorbonne, j'ai découvert qu'il était possible de faire de la harpe ancienne. J'avais vraiment aucune idée de ce que c'était. À l'époque, il y avait peu de classes, donc c'était difficile de trouver un professeur. Et j'ai eu la chance de tomber sur Angélique Mouillon tout de suite. Et elle m'a. On a fait les cours. D'abord, c'était en cours particulier, puis après, au cours de le conservatoire de Tours, ils font des week-ends de musique ancienne. Et puis ensuite, je suis rentrée au conservatoire à Lyon, le conservatoire national en harpe moderne.
Et tout de suite après, j'ai été avec le professeur de Diego, Eugène Ferré, en espèce de... C'était une option harpe ancienne. Et l'année d'après, je suis rentrée en harpe ancienne officiellement. Et puis, j'ai abandonné la harpe moderne assez vite parce que le répertoire me plaisait beaucoup moins que le répertoire du 16e, 17e, répertoire Renaissance notamment, quand j'ai découvert cette musique. Je me suis dit, c'est magnifique. Et je trouve qu'on a aussi plus de place en tant que harpiste dans les ensembles baroques, notamment avec la basse continue. Toute la réalisation du continuo, ça nous donne beaucoup plus voilà, de place, de créativité, d'imagination, d'inventivité par rapport à de l'orchestre classique, que j'ai beaucoup aimé par ailleurs, mais je me sentais moins de continuer là-dedans. Thank you.
Je crois qu'il y a plusieurs initiatives, dans tous les cas, à titre personnel, je participe à plusieurs initiatives, que ce soit avec Pygmalion ou dans d'autres structures, qui ont pour but d'amener des interactions culturelles, musicales notamment, mais pas que, dans des endroits qui sont un peu inédits, effectivement. Il m'arrive de jouer dans des hôpitaux, dans des EHPAD, faire des interventions scolaires sur place, ou alors il y en a maintenant qui s'installent dans des marchés pour jouer voilà, de façon impromptue. Enfin, dans tous les cas, il y a énormément d'initiatives en ce moment qui se font, qui ont pour but de ramener la culture vraiment à tout le monde. Et j'y participe avec plaisir, et il m'arrive, moi notamment, de faire des interventions avec des scolaires. Depuis les tout petits, je viens de terminer une année, là encore, par l'intermédiaire des initiatives de Pygmalion, en crèche, à la crèche Carl Vernet de Bordeaux, avec encore une autre collègue du cœur de Pygmalion, où on a développé vraiment une année d'une activité, autant auprès des enfants, bien sûr, qu'auprès des intervenants en crèche. Et c'était une expérience vraiment très très enrichissante, pour ne donner qu'un exemple. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui m'arrive pas mal et que j'apprécie beaucoup. On avait joué il y a un an et demi, deux ans, on avait joué dans un hôpital psychiatrique, oui, à Bordeaux. Ce même répertoire. Le même répertoire. Il y avait une chapelle dans cet hôpital. Et la réception de ce répertoire et de cette musique par les gens qui étaient là, c'était incroyable. Vraiment, c'était très spontané. Et en plus, il y en avait, ils avaient des questions hyper pointues. Mmh. Ils entendaient des choses très précises. Et c'était c'était une vraie expérience. C'était magnifique de jouer là. Moi, c'est pareil. Enfin, je fais comme toi, je participe aussi à des scolaires pour essayer d'amener un peu ce répertoire. Mais alors, je le fais plus avec la musique médiévale. J'ai été plus amenée avec un groupe auquel j'appartiens, qui s'appelle Apotropaïque. On est aussi entré dans le système Emerging. Et le système, c'est un El Sistema, ça s'appelle. Donc, c'est à travers l'Europe de venir à la rencontre des enfants. Et la dernière fois qu'on a fait ça, c'était en Grèce. Et c'est assez, c'est assez probant, je crois, pour faire découvrir ce répertoire aux plus petits, aux plus jeunes.